scène et trois fils. D'accord. Coucou mes bébés. Vous êtes là, ça fait longtemps. Moi, je suis rentrée à Abidjan. Je suis là. Tu es ma chérie. Non, non, viens ici. Je suis là depuis hier, non? Avant-hier. Ça se passe super bien. Je suis contente d'être rentrée. Mon séjour à Paris était super. Je tiens à dire merci à tout mes my love de l'Europe, on va dire, parce que pendant mon événement sur Paris, bah, d'autres sont venus de Londres, de Lyon, de Marseille et autres. Et franchement, merci quoi. Merci pour le soutien et tout. Avant de partir, j'ai mis sur mes différentes pages que j'étais en train de faire un recrutement pour Empire 17. Donc pour un spa manager, des coiffeuses, des esthéticiennes. Voilà, pour l'onglerie. Bon, je me place comment, chérie? Pourquoi tu passes? Attends, je vais me mettre comme ça. Mets-toi là. D'accord. Pour l'onglerie, tout ça. Non, mets-toi comme ça. Pas comme ça. Donc oui, j'ai reçu pas mal de CV. J'ai reçu même quelques-uns d'entre vous hier et tout. J'ai eu de très très bons profils, mais je continue toutefois d'en rechercher. Donc vous pourrez continuer d'envoyer vos CV jusqu'au 1er novembre. Voilà. Je suis rentrée, mais j'ai reçu ici, par contre, beaucoup de courriers. Et c'est un peu pour ça même que je fais ce direct. Enfin, pour deux raisons. Non, même pour trois. Bon, la première, pour dire merci à tous mes my love et tout de l'Europe, ce que je viens de faire. La deuxième, pour vous dire que le recrutement et tout continue. Et la troisième, pour faire comprendre à certaines personnes que rien ne s'acquiert facilement. En fait, vous avez trop de facilité dans votre corps, comme on dit. Parce que je n'arrive pas à comprendre que je puisse recevoir plein de courriers ou même recevoir des personnes physiques ici à mon spa, mais qui passent leur temps à demander de l'aide. Mais quel genre d'aide? Parce qu'en question d'aide, moi, je n'ai pas de problème avec le fait d'aider, mais d'aider qui? Des personnes vulnérables, ça ne me dérange pas. Des personnes qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir travailler et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça ne me dérange pas. Voilà, de pouvoir nourrir des orphelins ou les aider ou les scolariser, ça ne me dérange pas. Chose que Dieu merci, j'arrive à le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais quelque chose que je ne comprends pas, c'est que des jeunes filles comme moi, vous avez tous vos membres à leur place comme moi, vous m'envoyez des courriers avec précision de vous acheter soit des bacs neufs, ou de vous acheter des billets d'avion pour aller je ne sais où. Ça va dans votre tête? Arrivez à me refaire arrêter. Je ne ramasse pas mon argent, je travaille pour avoir mon argent. Mais comme vous, dans votre tête, je me prostitue ou bien que j'ai vendu mon âme à je ne sais pas quoi pour avoir mon argent, pourquoi vous ne faites pas ça aussi, si c'est facile? Si la prostitution, c'est facile et qu'on peut avoir de l'argent aussi facilement en se prostituant, prostituez-vous aussi pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Mais à aucun moment, je ne peux concevoir que vous puissiez m'envoyer des courriers pour vous acheter ou X ou bien Y chose. Avec l'argent de quoi? De la prostitution que je fais là, ou bien avec l'argent de la vente de mon âme que j'ai eu à donner au diable? Il faut arrêter.
Et puis la drogue, oui, la drogue que je vends aussi. Je vends drogue et me prostitue. Je fais quoi encore? J'ai vendu mon sommeil. Tout ce que vous dites là, je sais. Mais ça me fait rire parce que je me rends juste compte que la jeunesse d'aujourd'hui, en fait, ne peut pas concevoir que quelqu'un puisse avancer et réussir juste en travaillant. En même temps, automatiquement, tu as dû faire quelque chose d'illégal ou de sale pour pouvoir avoir son argent, ton argent. Mais dans ce cas-là, faites aussi, s'il vous plaît, je vous envoie à le faire. Allez vous vendre, allez vous prostituer, allez vendre la drogue, trouver des réseaux pour pouvoir avoir cet argent-là pour vous occuper de vous. Mais jamais plus n'oser même un instant penser que vous allez m'envoyer des lettres, des si longues lettres de Mariama Ba pour me parler de vous aider ou je ne sais pas quoi. Vous avez vos membres en place. Démerdez-vous pour sortir votre tête de l'eau. Quand je passe mon temps ici à mettre des visuels pour vous envoyer à venir ici pour travailler. Parce que oui, j'ai beaucoup d'entreprises, Dieu merci, donc je peux employer un bon nombre de personnes. On ne vous voit pas. Ou même quand vous venez ici, vous venez faire les belles, vous venez voler. Vous venez faire n'importe quoi. Et ensuite, vous passez votre temps à vouloir dénigrer ceux qui veulent vous aider dans votre vie. Vous êtes malade, en fait. Mais je suis choquée. Vous pensez que quoi? Je ne dors pas. Vous croyez que je passe mon temps à me balader dans votre tête remplie de merde là? Vous croyez que je passe mon temps à me balader et puis le matin je me réveille et puis il y a l'argent sous mon lit? Je travaille, je ne dors pas. J'ai des cernes matin, midi, soir. Donc après quand je jouis de mon argent, mais laissez-moi tranquille. Mais surtout, évitez de me demander ce genre de choses. Surtout quand vous êtes, quand vous avez tous vos membres en place. Vous êtes énervant à la fin. En vous emploi, vous venez faire n'importe quoi dans les entreprises des gens. Vous avez des lourds comportements. Hein? Je me mets en colère très rarement. Mais là, je suis vraiment remontée. Je vais être assise là dans mon bureau. Puis on va me dire qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas dans mon patio en bas. Qui veut que je lui achète un billet d'avion parce qu'elle est venue se chercher, ça n'a pas marché, donc il faut qu'elle puisse repartir dans son pays de lui acheter un billet d'avion. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le truc, c'est que je me suis juste rendu compte que vous-même, mes frères ivoiriens, là, vous êtes les pires. Et où je me suis rendu compte de ça, c'est à Paris. Parce que pendant mon événement, des Ivoiriens, on vous comptait comme ça. Mais les autres pays, là, Cameroun, Mali, Gabon, c'est eux qui étaient là, B. Mais parce que vous, votre soeur, vous estimez que votre soeur a trop réussi, donc c'est difficile pour vous de pouvoir venir la soutenir dans X ou Y choses. Mais si vous ne le faites pas, là, on n'en a rien à foutre. Les autres qui reconnaissent ma valeur le font. Et puis Dieu même qui reconnaît ma valeur ne va pas arrêter de me propulser très loin. Ça vient. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas. Préparez juste vous. Préparez-vous juste. C'est ça, très bégué, tellement vous m'énervez. Préparez-vous juste, en fait, à boire beaucoup d'eau, puis peut-être à vous suicider. Parce que ça vient. Arrêtez-moi ça. Si vous ne pouvez pas bouger vos culs de merde pour travailler, pour pouvoir subvenir à vos besoins, moi et ma louesse, je n'ai pas d'argent à vous donner. Voilà. Ceux à qui je dois donner mon argent, là. Ils sont déjà, je les connais déjà. Il y a mes orphelins chéris, il y a mes veuves, il y a d'autres choses que je suis en train de mettre en place, que je tairai pour le moment, pour ces différentes personnes vulnérables qui ont besoin de moi. Mais vous là, vous qui finissez de prendre 10 000 faux profils pour insulter les gens, mais après quand maintenant la faim vous persécute, vous vous rappelez que vous avez une soeur qui peut vous aider? Non, je ne suis pas là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Ozoa, de la fille qui a eu à m'écrire sur Snap, me parler de ses problèmes et tout. J'étais prête à l'aider quand j'ouvre le dernier message qu'elle m'a laissé. Elle m'a insultée comme poisson pourri. Je dis, oh ma soeur, tu viens de rater ton jet.
Mais c'est Dieu qui est mon affaire. C'est pour ça qu'il m'a montré qu'en fait, toi, il ne doit pas t'aider. Et depuis ça, j'ai décidé, en fait, de ne plus vous aider, vous, là. Vous qui êtes bien portant. Parce que quand tu es bien portant, tu as la capacité de pouvoir te battre. On n'est pas, nous, là, on a nous qui nous sommes battus, là. Mais ceux-mêmes qui sont battus, que je ne connais pas, mais qui ont pu réussir, ce ne sont pas des extra-hommes, non. Ce sont des hommes, tout simplement, qui ont décidé de réussir, qui sont surpassés et qui ont réussi. Donc, laissez-moi ma drogue, laissez-moi avec ma prostitution, laissez-moi avec quoi d'autre. Il y en a tellement, je ne sais pas, tout ce que vous dites là. Quoi d'autre là? Je vais ma vente d'âme au diable, laissez-moi avec ça. Moi, je gérerai ça après, avec Dieu. Donc, vous, je vous incite à le faire aussi, parce que ça fait réussir. Moi, j'étais disant que ceux qui veulent travailler, dernier délai, 1er novembre, venez déposer vos CV. Bonne journée.